aujourd'hui, moi et mon frère, on va faire qui de nous deux va faire la meilleure pizza. Et puis, la personne qui sera la juge est Trésor, les gars. Quand on aura fini nos pizzas, Trésor va goûter et va dire qui, selon elle, est la meilleure pizza. Donc là, ouais, c'est la Bijou ou c'est la moi? Farine. Farine. Yes, les gars. La pizza de Junia commence. The Big Junie Pizza. The Big Pizza. C'est bon. Professionnel. Ça fait 120. Ouais. Donc, il va falloir que tu ajoutes un petit peu encore. Ouais. Ou... Vas-y. Juste un petit peu. C'est okay. Bon. Tantôt, tu fais. Tu m'aides aussi? Non. Non, c'est mais... ta pizza. Non, mais tu m'aides. Enlève l'affaire là. Ah. C'est ce que je vais faire moi-même. Aïe. Après, c'est quoi? Après, c'est 2 cuillères à café de sel. 2 cuillères à café de sel. Ouais. Yeah! Il n'y a pas beaucoup de farine. Je vais faire si tu sais à moi. Pas trop salé. Comment ça, pas trop salé? Il faut suivre la recette, non? Bon, on a fini avec ça. Comme ça? Ouais. Deux fois, hein? Non. Une fois et l'autre, c'était à peine. Oh putain de merde. Mais surtout, c'est abuse! Il a renversé la levure, les gars. Montre la vidéo et mettez comme ça un peu, non? À peu près comme ça. Mais en tout cas, elle a mis une cuillère. Une cuillerée, donc. Si c'est pas bombe. Donne. On sait, elle a mis une cuillerée de... Oui. Une cuillerée de sucre. Ouais. Le sucre. Yo, c'est ça le pyramide, bro. Oh, on a eu de préemption. Yo, what the fuck? Ça sent le lait caillé, je te dis. Ça sent l'Afrique. Je sais pas comment expliquer, non. L'Afrique, en fait, on est africains nous aussi les gars, on est africains mais c'est genre, je sais pas comment expliquer. Il y a une bouffe en Afrique là qui sent pareil. Et un peu de sucre. Qui est bon. Le sucre. Pas trop aussi. Même moi aussi. Non, mis une cuillerée. C'est ta recette. Ok. Chef, pourquoi je suis pas capable de cuisiner moi aussi? C'est one for one bro. Et c'est moi qui vais gagner de toute façon. Tu montes ta recette. 2 secondes de garde de farine, 100 secondes d'eau, 2 cuillères à thé de café. Je suis quand même joué avec moi. C'est 250 grammes. Après, on rajoute 250 grammes. De quoi? Ok, non, c'est gars. Yo, fais ta recette. Attends. Fais ta recette. Les gars, j'ai fait une petite erreur au niveau des mesures. En fait, on devait mettre 250 grammes de farine, pas 125. Non, on a fait une flop là. Ça aurait pu faire une flop là. Mais j'en ai mis debout. Quoi? C'est trop lourd. Sinon, on va nous faire rater la recette, bro. J'ai mal compris. La meuf, elle a dit de mettre à moitié, bro. J'ai pas compris. Ça veut dire qu'on a mis 250 grammes et après ça, on met un autre 250 grammes. Ouais. Ok, nice. Là, ça fait plus de sens. Là, on veut remettre un peu plus de sel. 120, ok, c'est bon. Pourquoi ça met encore plus de sel? Parce qu'avant, j'avais pas mis beaucoup parce que je croyais que c'est comme si c'était trop peu de farine. Ok. 250 ml d'eau. D'eau. Reposer. Ça, c'est pas 250. C'est rempli combien? Le bail. Tu dois bien le remuer. Je pense que ça va donner comme dur. Hein? Là, à mon tour. Qu'est-ce que tu dis dur? Non, tu vas nous faire rater la recette. Qu'est-ce que tu dis dur? T'as compris ce que je veux dire? Pas dur, mais comme. T'as compris ce que je veux dire? Okay. Comme, laisse-le pas comme ça. Remue-le bien. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Laisse dans les vidéos. Pas maintenant. Ouais. On a laissé la pâte reposer 15 minutes, on revient, on remue un peu, on met de l'huile d'olive, on laisse encore reposer 15 minutes, après on revient après. C'est bien sucré. Mais le but c'est pas si... C'est pas si c'est non. Sucré. Non, t'as compris ce que je veux dire. T'as compris chef. Ok, pendant 15 minutes de l'huile. T'as mis le timer hein? Ouais. Ok. Donc les gars, regardez de quoi ça a l'air jusqu'à présent. Ça c'est à Bijou, ça c'est à moi. Bijou, il a l'intention de faire une pizza à la quoi? Pepperoni, la base. Ah, au pepperoni, ben nous deux on va faire au pepperoni. D'abord, on a acheté du fromage ici. Pour mettre sur la pizza. Moi je comptais acheter du fromage de poutine, mais je dis que c'est pas une bonne idée. C'est ça. Nous deux, pepperoni. On va tous les deux utiliser du pepperoni. Fromage, nous deux. Ça c'est la base. Aussi bacon. Bacon. Nous deux. Ça c'est la base. Et pour ça change. Moi, je vais ajouter ça. Du poivron pour un petit goût. Genre, j'aime le poivron de 1 et genre, les légumes sur la pizza c'est bon. Mais, Junior, moi, tu sais pas ce qu'il a pensé. De mon côté, je vais mettre ça. Ah, nana. Oh, ok, non.
Et j'ai pas voulu acheter un fruit ananas parce que ça aurait été trop casse-tête de couper un fruit complet et tout là. Donc là, j'ai acheté ça, c'est déjà coupé à l'intérieur. Il y a du jus aussi d'ananas à l'intérieur. Donc là, je pourrais boire le jus, prendre les ananas, l'ajouter sur la pizza et puis ça va être bon. Ça va goûter, ça va dire, oh, Junior, c'est trop bon ta pizza. Tu peux l'ajouter sur toute la pizza parce qu'elle doit goûter l'ananas. Elle peut goûter l'ananas et la pizza et le pepperoni et le bacon. Ah bon, c'est ça, je sais. Moitié pepperoni, bacon et l'ananas. Moitié. Et moitié. Pepperoni, bacon et ananas. Oui, okay, il y aura ça. Moitié avec ça, okay, moitié sans ça. Comme ça, j'aurai les deux. J'aurai les deux. Non, on attend combien de temps maintenant encore? Est-ce qu'on va voir le timer? T'as rien mis, chef? C'est toi, tu l'as enlevé. J'ai rien touché, t'as rien mis. T'as rien mis. 10 minutes, ok. Le plus dur, vraiment, c'est la pâte à pizza. Après avoir fait ça, je pense que ça devient simple parce qu'il faut juste mettre la sauce sur la pizza. C'est logique, au fait. La sauce, le fromage et nos condiments. Dis pas. Comment on dit, nos garnitures. J'ai gagné, non? J'ai fait ça, il a fait ça. C'est un combo, là tu fais ça. Après là, je fais mon autre mouvement. Ok. Fais. Je vais refaire là. Okay, oui. Okay. Non, tu triches. Ok, vas-y. Tonton, vas-y. Yeah, buddy. Tu dois revenir là et après faire ton autre mouvement. Donc, si tu réussis à me mettre en bas, là, tu reviens encore en bas. Ok. Et ton autre mouvement. Oh, je refais encore? Je refais encore. Ok. Là, tu fais comme ça, et ton autre mouvement. Oh, ok. Oh, j'ai compris maintenant. C'est fini. Donc, on a pu passer le temps. C'est un jeu de quelle année ça? 2020? 2023. Pourquoi tu dis que c'est ancien? Ça fait même pas longtemps alors, 2023. Mais ça commence à prendre forme là. On mélange. Les gars, si vous voyez bien là, je vais mettre la caméra un peu plus droit. Parfait. T'abuses pas, hein? La meuf, vas-y, t'en mettre un peu seulement. Je suis italien, t'inquiète. La même, vas-y, d'en mettre un peu seulement. Je suis italien, t'inquiète. Non, c'est avec les mains, les gars. Je crois que je vais utiliser les deux mains, bouffe. Oh my god. Oh, c'est tellement satisfaisant, les gars. What? Tu regardes ça? Regardez ça? Là, je pense que c'est un bon moment pour ajouter l'huile d'olive. Même... Moi, j'aurais pas mis live, mais au revoir. Juste un petit peu. Regardez ça. La pizza de Douni. Imagine, on fait une pizzeria. Oh, ça pourrait être une bonne idée. Écrivez dans les commentaires, les gars, est-ce que vous viendrez à notre pizzeria si on fait une pizza? Une pizzeria, c'est ça. Si on fait une pizzeria, les gars. Si on fait une pizzeria, est-ce que vous viendrez ou pas? Viendrez acheter. Et comment j'enlève ça de mes doigts, bro? Oh, le ciel, il devient moins... Pourquoi c'est éclaté? C'est vrai, il y a un œuf à l'intérieur, bro, what? Attends. Toi, t'as mis beaucoup d'huile, d'ailleurs.
Arrête. Moi, il est encore comme... Il est encore dur. C'est ça. Toi, il est huleux. Regarde la différence. Genre. Bon, montre. Regarde, regarde comment lui, il est huleux, genre. Il est squishy. Hé, hey, Junot. This is bossing. Comment t'as fait pour qu'il y en ait plus de tes doigts? Just continue, bro. Never give up, bro. C'est bon? Ouais. On fait une boule. Je vais trouver mon nouveau compteur. Je pense que je vais arrêter de mettre l'huile là. Ça devient trop huileux. Ouh! Look at my boule. Ça c'est une gifle là, écoutez ça, ok? Alors. Voilà. Wouah! Écoute. Il est trop huileux. On sent même pas le son. Va ça. T'entends le son? Pareil, il est encore squishy, bro. C'est juste que je continue comme toi. Mais comment on fait? Attends. Tu vas continuer comme ça? La pizza, oui. Il n'y a plus rien sur mes doigts. C'est nice. Montre ta gomme. Ça ressemble au mochi, bro. En train de chewing gum, bro. C'est ça. Non. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Yo. Attends, je vais voir. Fallait pas mettre l'huile trop tôt. C'est ça que je t'ai dit. On dirait genre une bulle de mode. De burrata, moi. Bon, je vais trouver un contenant. Je vais le mettre dans le même contenant, sauf que je vais laver le contenant. Ah, ça laver, c'est mieux? Ouais. Bon, les gars, je pense que ça commence à prendre forme. C'est difficile à laver, beau. Toi, il est comment? Il est comme ça ou pas? T'as raté quelque chose. Quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Voilà les conséquences. Elle est toujours collante, elle est toujours squeak, elle est toujours élastique, bon, je sais pas quoi faire. J'ai vraiment tout essayé, les gars. J'ai mis un peu de farine, j'ai mis un peu d'huile encore. Et, je ne sais pas quel serait le problème. J'espère que ça ne va pas affecter ma pizza finale, les gars. Bon. Allez, 47. Donc, les gars, on doit attendre maintenant 45 minutes. Donc, le temps que ça gonfle. À quelle heure t'as dit, Bijou? Allez, 47. Là, actuellement, il est 17h03. Donc à 17h47, on va revenir voir. On va revenir après voir nos pâtes et puis espérer qu'elles ont gonflé, qu'on puisse directement commencer avec la pizza, quoi, tu vois. Donc on se revoit dans 45 minutes, les gars. Là, on ne pourra pas rester ici pendant 45 minutes à jouer. Lui, il est assis là. Moi, je vais aller sur mon téléphone, sur mon ordinateur, faire autre chose. Et puis on se revoit dans 45 minutes, les gars. Pour vous, quelques secondes, mais pour nous, 45 minutes. Donc à tout à l'heure. Donc les gars, on est de retour après 45 minutes. Oh, désolé. Ouais. Et puis, moi, j'ai un peu dormi en regardant des vidéos YouTube. Et puis, ça fait quoi? Rien fait, toi. T'as juste scrollé. Ouais. Normalement, elle doit avoir doublé de volume à ce moment-là. Une fois que la pâte... Donc là, la pâte doit avoir doublé de volume, là. Hein? Ouais. Okay. On la dégaze. Ok, donc on le prend d'abord? Ouais. Amène le sien et le mien, s'il te plaît. Ah. Amène les deux. Montre le sien. Okay, regardez ça a gonflé, c'est devenu gros. Ouais, quand même. Ok, pas pire. C'est pas pire, ça. Ouais, là. On doit encore laisser 30 minutes de plus, frère, j'en ai marre, bro. Je fais que dormir depuis tout à l'heure, vous êtes fait. Je me fous une pizza, bro. Encore 20 minutes. Comment on le... Ouh, j'ai réussi. Let's go. Les gars, je vais pas vous mentir. Pendant un moment, j'avais peur que j'avais raté. Parce que le mien était trop squitch. Il était trop élastique, il était trop collant. C'était là, les gars, avec moi. Et dans mon cœur, j'avais vraiment raté. Pour de vrai, je vais pas te mentir, j'avais raté. Mais tu vois si c'est encore là. Je vais pas te mentir, j'ai lu des articles. J'ai lu des articles, pizza trop... Oh, regarde. Lis, qu'est-ce que j'ai écrit? Ma pizza est trop collante. Hein? J'ai lu des articles et ils disent que c'est normal, c'est pas anormal. Donc là, j'ai regagné espoir, quoi, tu vois. Donc là, on fait pas de bijoux, on va faire la meilleure pizza ici. Et fuck, c'est bon, j'ai bien dormi. Quand on dort, on se réveille là, on est tellement fort, bro. J'ai bien dormi, j'ai gagné ça, bro. Regardez ça. Qui sait, peut-être le mien est meilleur que bijoux. Impossible. Donc là, le fait que ça soit un peu squish là, tout à l'heure, là, et bijoux rien de moi... C'est une bonne chose parce que ça devait être squish pendant un bon bout de temps avant de devenir comme ça. J'ai trop d'énergie sur lui, hein. Je suis juste de me remettre.
Vous le remettez à l'intérieur, refermez et attendez encore 30 minutes. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Tu vas mettre des oignons aussi dedans? Ouais, un demi-oignon. Oh, toi t'es fort, toi t'es fort. Je suis. Tu vas mettre des oignons dans son... Tellement aimé. Elle va aimer le mien encore plus, gros. En plus, les gars, j'hésitais à mettre du maïs, vous savez. Non, tu bugs. Non, j'hésitais à mettre du maïs, mais je me suis dit que ça allait vraiment être dégueulasse. Ma vie sera tellement meilleure que toi, bro. Non, non, non. J'avais pas l'espoir, mais là, je sais que l'espoir est toujours là. Je le vois au bout du tunnel, bro. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que c'est quelqu'un que t'aimes pas. Parfaito. Ok, mais bien au paper. Alors, on forme ça. Oh, va tellement aimer, vas-y. Et refait la pizza. Les gars, ce qui me rend content, c'est que Trésor va goûter à l'aveugle. Elle va goûter le mien, va dire. Celui-là, il est bien bon. Il est croustillant, j'aime bien le goût. C'est un bijou, j'espère. Mais non, c'est un junior. Aïe, ok. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Non, ça m'a vraiment fait mal en plus. J'ai même pas fait exprès. Aïe. Yo, ok, ma balle, désolé. Tu es correct. J'ai fait ça. I'm good. Ok, désolé, c'est le rire qui m'a utilisé. Oh, désolé, je suis... Oh my god. Oh non, désolé. Ok, là, je suis un gaffeur, bro, je suis un gaffeur. Désolé. Il est 18h08. Allez, 30 minutes, non? Ouais. Toi, tu vas laisser jusqu'à quelle heure? Les 40. 40? Moi, c'est 40. Parfait. Tu vas le mettre comme ça sur la pizza ou tu vas le chauffer? Tu vas être conscient. Non, finalement, le chauffer un peu avec des épices. Oh, ok. Vous avez déjà vu des oignons sur une pizza? Ouais. C'est pas oignon normal, c'est caramélisé. C'est pas fou. Là, tu mets quoi? Du magie poulet là, hein? Ouais. Oh, c'est épicé, bro. Oh, bon. Oh, putain de merde. Ça sent bon. Ça me pique le nez, bro. Oui, bonne chance, bro. Ça sent tellement bon. On verra le résultat final, mon frère. On verra. En tout cas, j'ai gagné. Ma pizza est la meilleure. Les savants. En tout cas, j'ai gagné. Ma pizza est la meilleure. En tout cas, j'ai gagné. Ma pizza est la meilleure. Comme on va le mettre au four, je veux pas le trop le griller. Non, je veux le griller médium. Ah non, tu vas remettre ça dans le four? Ouais. Je vais t'aller laisser le bacon dehors et là, quand on sort la pizza, on ne veut pas trop mettre. Ok. Donc tu finis les tirs après je commence? Ouais. Ok. Autobahn. Comment voit ce que tu dis? C'est ma voiture. Autobahn. Tu me fais bannir. Je suis autobahn. J'ai vu la bière. Je t'ai pas marié. Je t'ai donné un petit bisou. Après c'est ça, je me suis cassé. Elle s'est fâchée. Autobahn, fuck les biaches. Autobahn, tu es autobahn. Les gars, Bijou m'attend. Il attend que je finisse avant qu'on continue. Bon, on commence avec le bacon. Nous, on va commencer avec mon bacon parce que moi, j'aime quand même le bacon quand je prends la pizza. Donc, on va. C'est bon, je pense que c'est parfait. Pas parfaitement cuit, mais parfait pour le moment, quoi. Ta pizza, elle est grande quand même, hein. C'est une... carrément une pizza grande, là. Non, large. Montre-le. Ah oui, M. Montre-le à la caméra. Allez, les gars. M. Medium? Ouais. Moi, c'est une petite. Bambino. Avec les doigts. Hey, la sauce. Déjà prêt pour la sauce? Ouais. Yo. Là, je le mets là. Là vous voyez. Et là. Oh ouais, ça marche un peu. Petite sauce tomate. Tomato sauce. Tomato sauce. Non, mais non, ok. Où ça? Oh, j'ai réussi à manger. Et en plus de base, les gars, on comptait faire la sauce
de pizza nous-mêmes. Mais on n'avait pas tous les ingrédients. Ça avait l'air trop compliqué. Et apparemment, c'est vraiment compliqué de faire une sauce de pizza. La plupart des vidéos qu'on voyait, les gens avaient déjà acheté la sauce faite. Donc, ça sert à rien de se casser la tête à essayer de faire une sauce pizza de... From scratch. Comment dire, from scratch. Montre-moi la caméra, tu vois. Tout à l'heure, vous allez voir le résultat final tout à l'heure hein, de bijoux. Voilà. Parce que si vous ne voyez pas vraiment bien, à la caméra, vous allez le voir tout à l'heure. Madame, elle a nice. Fromage mozzarella. On va comment bien mettre. Ok, là c'est trop bon! What the fuck? Pizza fromage français. Là on va commencer avec pepperoni. Pepperoni. Je reviens. Ah ouais, tu fais bien. Je sais. Comme tu fais bien. Je sais. Peut-être toi ça serait plus parfait que moi. Parce que moi. Non, non, il n'y a pas de peut-être toi ou quoi. Non. Non, je parle pas du goût. What? Ah, la beauté? Ouais, esthétiquement. C'est toi que les pizzeries, hein, ils font des pizzas en 40 minutes. C'est fou. Parce que eux, tout déjà préparé. Ouais. Et nous, on a fait ça. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Depuis. Ça fait 5 heures, qu'est-ce que tu dis? Ok. Après, il est 18h, 19h. On a commencé à 16h. Même. Ouais, 16h. À peu près, ouais, ça fait à peu près 3h. Pour une pizza chacune. Ce matin, avant de mettre dans le four, on va mettre combien de temps? Toi, tu veux trop la perfection. Tu sais que les vrais pizzas là, ils s'en foutent. Et un peu de fromage. Toi, tu vas vite, hein, bijou. De fromage. T'as pizza petite, beau. Mais elle est parfaite, elle est mieux que moi. En plus, dans le four, elle va grossir, non? Tu sais? Elle va pas garder cette taille-là, elle va grossir un peu. Et attendez, les gars! Non, j'avais raison! Moi, j'ai un truc secret! Moi, j'ai un truc secret! T'as juste mis plus de levure que moi. Parmigiano! Du parmesan? Ouais. Ah, moi, j'en ai utilisé. Non? Qui l'a acheté? Merci. T'es mon bon? Mais ça a l'air tellement good! Laisse-le dehors, je vais l'utiliser! Mozzarella! Ah, la croûte ici m'énerve. Mais c'est de la croûte. Yo, de toute façon, à l'intérieur du four, ça a gonflé, bro. Ça va pas garder cette taille-là. Donc ta pizza, elle sera encore plus grande que ça. Ils ont jamais assez de sauce. Oh, attends, ça c'est trop! Le fromage? Non, la sauce! Elle flotte! T'inquiète pas, mon frère, y'en a jamais assez. Après ça, c'est du bacon. Fini. Donc, on montre à la caméra. Notez jusqu'à présent. Esthétiquement. Jusqu'à présent. Regardez comme elle est balèze. Hein. La taille de mon visage. Mais elle est pas belle. Voici la mienne, les gars. Elle est très belle. Même parfaite, si je pourrais le dire. Mais... Elle est pas grosse. Trop petite. Elle fait la taille de ma main. Donc on commence, on le met dans le four? Ouais, mais on doit. Ben laisse-moi le préchauffer. Ça. Ok, comment ça fait la vaisselle? Quoi? Tu as oublié quoi? Yo, je te jure que j'ai... Le pepperoni, voilà! Pepperoni! Oh mais tu peux mettre un peu, tu vas remettre du fromage. Je te laisse même pas, j'avais l'impression que j'ai oublié quelque chose. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Je savais, je te dis, ah, ma pizza, regarde la tienne. J'ai comme, tu oublies quelque chose, je sais pas quoi, mais j'ai oublié quelque chose. Ok, je vais t'aider parce que. Yo, là, c'est vraiment petit, beau. Hey, oh non! Toi, t'en as mis combien de pepperoni? Moi, j'en ai mis 5, peut-être. Comme, j'ai rempli. Une dizaine. Ouais, une dizaine. Moi, c'est 5. Tu penses que je le mange en un coup? Oui. Quand on cuisine, les gars, il faut toujours nettoyer, il faut toujours laisser l'endroit propre. Je sais pas les. Belle. Toi, t'es fou, toi. Viens faire la vaisselle, je m'en fous. Va faire la vaisselle. À laver les bains. Ah, c'est trop. Ok, on fait moitié. Non, tu peux laver. c'est pas une demande, en fait, c'est un ordre. Non, mais tu peux laver. Comme... Fais la vaisselle. Ouais, vas-y. Commence. Moi, faire la vaisselle, c'est comme si j'avais pas lavé mes aisselles. Ouais, vas-y, maintenant. Ok. Moi, vas-y. C'est comme si j'avais fait pipi. Vas-y maintenant, vas-y. Vas-y. Oh mon gars, vas-y. Si tu réponds right à cette question, je le fais. Commence, beau. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? Et après, tu me poses une capitale. Si j'ai bon, c'est toi qui laves.
Yo, watch out ton phone. Toi, je te vois pas. Arrête, non, laisse ton phone, c'est pas drôle. Non, je t'entends écrire, ton téléphone n'est pas sur sortie, arrête. Hein? Je n'ai arrêt. Ok, je vais te poser une question. Je te retourne la question. Est-ce que tu sais même c'est quoi la capitale? Ouais. C'est quoi? D'abord, dis. Ok, on dit en même temps. 3, 2, 1. Wellington! T'as parlé sur ton téléphone? Hey, hey, let's go! J'ai eu. Wellington, Wellington, Wellington. Ça, c'est celui de bijoux. Ça, c'est le mien. Et puis, combien de temps on attend déjà? 15. 15 minutes seulement? Après, on regarde si on veut plus crispy, si on veut quoi. Plus croustillant et tout, on laisse encore plus. Ok, c'est bon. Donc, disons à peu près 20 minutes. 20 minutes, il est quelle heure actuellement? Oh, là, on n'apparaît pas ici. 19h20. Donc, à. Et 40. Non, 37. 40, toi. 37. Ok, 19h40 à peu près, 37h40, on va revoir ça. Et puis on va voir si nos pizzas sont bonnes ou pas. Et c'est ça quoi les gars, donc on se revoit dans quelques instants. Bon les gars, on a fini nos pizzas. On a fini de laver les bols aussi. Ouais, clean. J'ai fini de laver les bols, la plupart. Pizza. Ça c'est un bijou les gars, regardez ça. Comment elle est belle. Ça c'est la mienne. Elle est très belle, mais... La taille. C'est un souci. Ouais, vraiment. Ça fait combien de points? Je pense que 8 points c'est raisonnable, non? 6. 6 points? Mais là c'était 6 aujourd'hui. Oh, je suis bête. Là t'en as fait 4 là. Donc en soi j'ai du jus d'ananas aussi. Ouais. Laisse-moi goûter. C'est naturel. Il est bon. Il est bon. C'est comme un ananas qu'ils ont coupé, ils ont mis en conserve. C'est bon, t'abuses là, c'est bon, t'abuses. T'as fini? Attends. Les ananas sont bons, hein? Ça, je peux en faire 6. Trop petit. Ouais, ok, 4 c'est mieux. Ouais. Tu vas-y. Là. Ouais, ça va être. 4 c'est parfait. Mais l'ananas! Mets l'ananas en vitesse! Yo, c'est mon ananas, c'est pas toi. Laisse. Dis rien. C'est bon. T'as dit sur une demi. Une demi. De quoi? Sur la moitié. Ouais, sur la moitié. Il en manque deux. Chut, pas de clé. Ici. Allez. Sois pas timide. Parfait. Tu sais, je vais en mettre. Attends, les gars. Je crois que comme il essaie de me piéger ou quoi? C'est moi qui vais. Et toi, on va goûter ça, hein? Oui. Ça. Comme ça. J'aime pas bien couper. Parfait. Ça vaut la peine, hein? Ouais, bon. C'est comme le fruit déjà coupé. C'est tellement juicy en plus. Ouais. Tout à l'heure, je disais à Bijou qu'on va faire une petite stratégie, ok? Donc, on va raconter à Trésor que ça, c'est à Bijou et ça, c'est à moi. D'accord. Les gars, imaginez, il dit que ça, c'est meilleur. Je préfère ça à ça. J'ai gagné. Présente ta pizza. Non, présentation des bizarres. Italia, ma frère, Italia. Oh, you want a pizza? Pizza, pepperoni, bacon, mozzarella. Oh, delicious. Good afternoon, my friend. Yo, la famille, moi c'est Juni, the big Juni. Et puis ici on a la pizza Juni. Juni. Donc la pizza ici, il y a les ananas. C'est une pizza assez petite. Malheureusement, j'ai pas pu la faire plus grande. Donc c'est pour une personne. Et puis il y a du pepperoni, il y a un petit peu de bacon en bas, il y a du fromage. C'est parfait. La croûte aussi, elle est croustillante. Donc j'espère que vous allez vous régaler. J'espère que vous allez voter pour moi dans les commentaires. Esthétiquement, qui gagne? Esthétiquement. Comme, au niveau de la beauté, qui gagne? La chance. Parce que moi aussi, il est beau comme il est bien, balèze. Tu votes, les gars, dans les commentaires. Donc, les gars, on a fait Trésor et puis ça va être ouf. Trésor! Comme je suis petit, je l'ai fait petite. Oh, c'est à toi ça? Ouais. Vous n'êtes pas supposé me parler de ça? En plus, c'est supposé être en secret. Oh! Bro, c'est ça. Pineapple! T'es une pizza avec ananas? Ouais. Fuck! For real? For real. Écoute. Ok, bon, ouais. Non, je vais commencer. Mais je vais te présenter ma pizza. Mais c'est une pizza. Enlève tes écouteurs. Ouais. C'est une pizza. Ça, c'est du jus, ça, c'est à toi. Jus de quoi? Au raisin. Au raisin. Donc, ça, c'est une pizza au pepperoni, bacon, un peu de. Comment on appelle ça? Bacon. Mais bref, il y a de tout, quoi. Donc, juste. Comment ça, de tout? Hein? Comment ça, de tout? Non, mais comme pepperoni, bacon, fromage. Oh, on a quoi déjà comme ingrédients? Mais juste. Juste la pâte à pizza, sauce tomate, pepperoni, bacon, parmesan, mozzarella.
et ananas. Okay. Ah, moi, ouais, j'ai mis aussi du parmesan, on a mis du parmesan. Donc, tu vas commencer. Non, elle va commencer avec moi. Avec ça. Non, on commence avec. Tu veux commencer avec quoi? Je sais pas, les deux, mais après ça. Ah, tu commences avec ça. Là. Apprends avec les ananas ou bien sans? Mais les ananas, on les a mis après, sauf ils vont être très sucrés. Là. Ah, tu sais pas griller, hein? Ouais, ça. Il fallait les griller, non? Ouais, il fallait les griller. Déjà. Après, tu peux apprendre, c'est sûr. Okay. Note tout, note sur la taille, la présentation. Oh, je dirais la présentation de Junior est meilleure, honnêtement. Parce qu'elle est plus grosse, tout ça? Ah. Ouais, elle aussi est un petit peu mieux découpée. Toi, je sais pas comment expliquer, on dirait vraiment. Comme le fait que tu as mis le panneau après, ça a l'air d'être un élément qui n'est pas dedans. Ouais. Il fallait les griller, ouais. Mais ça veut dire de les griller. Le goût. Ah non, la texture de la pâte. Elle est quand même nice. Ouais, la pâte aussi. La pizza est bonne? Elle est bonne. En vrai, pizza. Une vraie pizza. Oh, shit! Mais ça, il faut pas prendre! Non, elle veut tout prendre! Avec elle va tout manger! Ah, non, mais j'ai goûté avec une bouteille, j'ai goûté avec le pineapple. Avec le pineapple? Non. J'ajoute le pineapple, moi aussi, mais c'est trop sucré, hein? C'est bon. Non, c'est bon. Ça passe? Ça passe. Ça passe? Ok, maintenant, à mon tour. Si on était mieux, c'était grillé, mais ça passe aussi. Qu'à mon tour, choisis ta pointe. Note la pâte, note tout. Vas-y, goûte bien. J'ai la pâte. Nice. Elle est soft. Est-ce que t'as mis ta pizza en haut, toi? Ouais. Oh? Ouais. Pourquoi? Mais c'est soit qu'elle. En venant, c'est soit qu'elle a été plus chauffée que le bijou. Okay. Comme elle était en haut. Parce que lui, sa pâte est blanche. La pâte est plus. Plus cuite. Plus dure aussi. Ah, mais elle est mieux. Ouais. Est-ce que vous avez fait, la pâte, vous avez fait en même temps ou vous avez fait deux pâtes séparées? Séparées. Ok. Il a fait la sienne et la mienne. Moi, ça, je comprends pas. Comment ta pâte est plus dure, mais à l'intérieur, elle est plus molle? Ça, ici, elle est plus dure à l'intérieur, mais à l'extérieur, elle est plus chou. Ok. Bizarre. Non, parce que lui, il était en bas de moi, je sais pas. Mais bien. Juste goûte. C'est bon? Non. Ok. Mais j'ai dit, elle aime pas. Bon. Respirer, réfléchir. Attends, on va te laisser parler. L'arrière-goût, la sauce, genre, je sais pas comment expliquer. Ah non, c'est la même sauce. Ma sauce à quoi? C'est bizarre. Non, c'est à moi. C'est bizarre. Hein? Mais attends, what the fuck? Je sais pas. Tu m'as dit en plus de mettre moins de sauce. Non, mais je sais pas si c'est peut-être le mélange entre tes choses là qui fait ça. Mais je sais pas, mais la sauce a un goût bizarre ici. Est-ce qu'il y a un goût comme un peu épicé, genre, avec paprika et tout? Ouais. Ça me rappelle la sauce que j'avais fait avant, genre, quand je mettais le piment et tout. Ah, ok, bon, bref. La sauce, ça goûte plus pizza, mais ça goûte plus maison. Tu vois ce que je veux dire? Oh, donc ça, c'est plus pour un professionnel. Ouais, mais tu vois la pizza au métro, genre. Comme ça, il aurait pu faire un resto avec, genre? Ouais, genre, mais comme si c'est plus bien présenté, un mail comme ça. Ça, c'est maison. Ouais, c'est plus maison. Ça, c'est plus maison, ok. Ouais. Après, tu peux regoûter ça après et encore faire des comparaisons. Juste. Tu peux noter maintenant. Non, elle va goûter ça, après goûter ça. Et là, maintenant, chef. Ouais, elle est en train de me vanner là. Donc là, il faut qu'elle goûte bien, regoûte ça pour voir que c'est un peu dégueulasse et tout. Et les gars, likez la vidéo si vous êtes encore là. Ouais, ça goûte vraiment maison. Ça, c'est maison. Yo, j'ai envie de faire plus. T'as la haine? Non, okay. C'est juste soft. Je donne ça un 8.6. 8.6? Ouais. Et ça? Please. En bas de moi. En bas de moi. Yo, t'es en bas de moi, bisous. T'es en bas de moi. C'est 8. Non, Elle dit c'est un restaurant, beau. Ça, c'est plus. T'as une normal d'art parce que. Habituellement, j'aime, mais là, j'aime pas. Ok. Exactement. Là, il y a plus trop de viande là. Ok, donc là. Ça, c'est 9, c'est ça? Moi, ça, j'aime 9 parce que la sauce, c'est ça qui change tout, genre. Mais attends, okay. Mais t'as le. Ok, on est dans la vérité, c'est ma pizza. Ça, c'est la pizza sur la main. Mais, let's go. Vous les gars, je vous dis pas.
J'ai dit que vous l'avez ou pas? J'allais gagner. Je l'ai dit que j'allais gagner. Ça, c'est moins un. Non, j'allais dire que j'allais gagner, bro. Tu règles ma patte. Ma patte qui est un peu bizarre, quoi. J'ai gagné, bro. Je savais que j'allais faire ça. Ça te voit. Ça se voit que tu as trempé la pizza que je faisais. Ça se voit que c'est maison, quoi. J'ai gagné, bro. Je l'ai dit quoi? Mais il faut qu'il y ait. J'ai dit quoi, les gars? J'ai gagné. J'allais gagner. La sauce, il y a un goût truc, genre. Parce que les restaurants, ils font vraiment la sauce, la sauce que tu as acheté. C'est juste ça là-bas. Ils ne rajoutent pas les balles dedans, tu vois. Mais juste ça prouve que tu étais paresseux, quoi. Comment ça? T'as rien mis dedans, t'as juste utilisé la sauce. Moi je peux faire des choses de bon et de professionnel. Mais elle a enlevé le pineapple. Donc on doit revoir ça. Non? Oui, elle a enlevé le pineapple. C'est toujours neuf ou pas? C'est un œuf? Si, elle a dit. Avec le pineapple. Bisous, elle a dit, c'est point final. 8.6, 9, elle a j'ai dit, gagné. Elle pas, elle j'ai pas. Gagné. Elle a dit, elle n'aime pas les ananas. Avec les ananas, c'est combien? Où est le rapport? Où est le rapport? Avec les ananas. Où est le rapport? C'est une pizza. C'est une pizza. T'as donné ta note? 9, c'est fini, non? C'est ça? 8.5. Non, là, elle peut pas changer. Non, j'ai dit. Avec les ananas, j'ai gagné. Sans ananas, t'as gagné. Il n'y a aucun rapport. Genre, oui. Juste 9, non? T'as dit 9, genre. Mais là, il essaie de trouver des rouages, là. C'est 9, non? Okay, genre, goûte la pizza avec un ananas, c'est fait. La boîte ici est meilleure. De moi? Bien sûr. Trésor. Laquelle est meilleure, selon toi? Merci. Avec ananas? Merci. Sans ananas. Il n'y a pas de. Avec ananas ou sans ananas? T'as gagné. Vas-y, ça va. Avec ananas ou sans ananas? Comme il n'y a pas de ça, il n'y a pas de. Quand il y a faim, parce que les ananas, il n'y avait pas de jaune dessus. Merci, bisous, genre, j'ai gagné. Aïe. Je l'ai dit au début de la vidéo, je te l'ai dit, bisous. On avait dit, t'as écouté les uns les autres. C'est pour ça que t'as mis plus de sauce, je comprends. Moi, je t'en parle la sauce. La sauce? Quand t'as bourré de sauce. Mais ça, t'en as rare, selon toi? Quoi, il a mis plus de sauce? Ouais. Il a fait tous ces trucs-là, il a dit qu'elle me bat. Poivron, je le fais avec des oignons. Mais ça avait une maladresse qui t'a gagné. En mettant trop de sauce que t'as gagné. Non? Ouais. J'ai bien calculé ma sauce, je l'ai bien mis. Non, j'aime. Je cuisine mieux que bijoux. Je cuisine mieux que bijoux. En vrai, pour la prochaine fois, pour la prochaine bouffe qu'on va faire, ça va être des tiramisu. Ça, on fait ensemble. Une bouffe qu'on va faire contre, je pense. On a déjà fait tacos, je t'ai battu sur tacos. Assume. Ensuite de ça, il y a quoi d'autre? Et puis, il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a envoyé un message. Il m'a dit. Comme de faire une vidéo sur 3 jours. Premier jour, c'est moi qui fais la bouffe. Et toi et Trésor, vous notez. C'est toi qui fais la bouffe. Moi et Trésor, un autre. Troisième jour, c'est Trésor qui fait la bouffe. Et toi et moi, un autre. Et on voit à la fin qui est le meilleur. Sur 3 jours, genre. Bouffe, genre, dîner, des trucs. Non, comme un par jour. Dessert. Chacun fait une bouffe. Mais ce qu'il veut. Comme on peut faire des desserts, on peut faire une bouffe. Et là, maintenant, après, les deux doivent noter pour voir si c'est bon ou pas. Et tout. Quelqu'un m'a envoyé ça sur Instagram. On préfère ça. Comme, c'est comme une série de 3 jours. Qui fera le meilleur gâteau? Sur 3 jours? Non. Ok, ouais. Ok, ouais. Gâteau ouais, c'est plus compliqué, bon. Mais je pourrais gagner encore. Je vais encore gagner. J'ai gagné? Ouais. Merci. Et j'ai juste ta sauce. Ah, les gars. If you know, you know. If you know, you know. Ah. Mais non. C'est seulement à certaines parties qu'il y a de la sauce. Regarde, ici, il y a beaucoup de sauce. Bonjour, j'ai gagné. Avec un moment, j'ai gagné. Une baguette chinoise, bonjour. Histoire close, j'ai gagné. Ok? Ok, non, c'est match nul. J'arrive à faire la défaite. Ah, bisous, il est fort. Je trouve qu'il va pas bien dormir ce soir, bon. Il va dormir en moi, j'ai ma pizza, j'ai mangé bon. Ah, ouais, avec plaisir. C'est bon. Merci bien. Les gars, vous devez goûter ça. Ça, ça a goûté, bon. Mais je pense. Tu sais que j'étais sauvé. Non, vraiment. T'as gagné. Tu sais pourquoi? Tu te rappelles quand t'arrivais pas à étaler et j'ai mis la farine sur ta pâte? Hein? Sinon, ça aurait été squishy, bon. Ça aurait été de la gomme. Mais je t'ai sauvé, mais c'est pas grave. Mais je limite. Arrête, t'as perdu. Mais c'est vrai! Ok, mais we get it! T'as perdu, prends le loose! Oui, je prends le loose! Mais non, j'ai dit des. Prends le loose! J'ai dit des facts! Mais tu arrêtes! J'ai dit des vérités! Ok, yeah! Que des facts! Ok! Il y a une partie ici que t'as perdu, mais je m'y. Oui, j'ai perdu! Non, tu. J'ai pas entendu cette phrase. Mais j'étais mignon! T'as goûté? Quoi? Ah, regarde, nice. C'est juicy, bon! La pizza est bien juicy! Non! Et on passe mon gilage! Chinoise! Non mais, ce qui me fait rire, c'est que, genre,
Comme il a le seum au fait, il a perdu. Mais chef, mange les croûtes, non? T'aimes pas? Pour moi, je vais enlever moi, c'est bon. Moi, j'ai gagné, donc. Non, mais j'y vais pas. Non, il va perdre. Parce qu'en termes, ma taille était meilleure, la quantité était plus. Yo! Yo! Non! Il n'y a pas de rapport parce que c'était une pizza petite. Bambino, tu sais ce qu'est Bambino? C'est 4 points. Bon, les gars, voilà pour la vidéo, like. Hein. Abonnez-vous. Dites dans les commentaires si vous voulez. Dans mon cœur, moi, j'ai gagné, bro. Dites en commentaire si vous voulez d'autres. L'autre. It's giving for real. Bisous, on va pas lâcher la paire. C'est le premier truc à prendre par mon chauffeur encore. Mais si c'est pas de la peine. Elle dit dans son cœur, elle a gagné. Non, c'est. Mais. Tu la gonfles. J'ai gagné, bye.